Voilà, j'ai l'impression qu'on s'est quitté il y a quelques jours avec l'équipe. Voilà, petit à petit, on intègre tous les joueurs, les nouvelles têtes aussi qui viennent d'arriver. On essaie de les intégrer au plus vite parce que, comme j'ai dit, on n'a pas de temps à perdre pour cette préparation. Voilà, on a fait une très bonne saison la saison dernière. On aura envie encore d'en faire une belle cette saison comme quasiment les 14 équipes de ce championnat. Ouais, ils vont s'habituer rapidement, je pense. C'est des joueurs à très fort potentiel qui ont beaucoup matché en Pro D2. Bien, très bien. On sent qu'il y a une bonne atmosphère, une bonne équipe, un bon groupe. Déjà, on arrive dans un groupe qui est fort. Donc, envie de ne voilà, de pas faire de vagues et s'intégrer au mieux. Parce que c'est un club voilà, historique du top 14 qui réalise des saisons assez remarquables durant les 10 dernières années. Et voilà, leur intérêt m'a beaucoup plu. J'avais envie de passer à l'échelon supérieur. Je vais continuer à bosser dur comme je l'ai fait en Pro les deux. Voilà, c'est toujours plus dur en top 14. Il y a plus de concurrence, il y a plus de très bons joueurs. Donc forcément que c'est plus dur de faire sa place. Mais oui, j'ai envie de matcher. Donc j'ai envie de faire le plus de matchs possible. Donc ça va passer par de l'engagement et, voilà, et de l'abnégation. C'est comme ça que ça marche ici. Donc, je suis prêt à ça. Pour moi, c'est une grande passion, déjà, numéro un. Pour le boulot que je fais, mais aussi pour le club. Et c'est pour ça que je voulais continuer à investir dans le présent et dans l'avenir de Castres Olympique, oui. Il faut toujours progresser, il faut toujours évoluer dans des petits détails. On va essayer d'être précis, on va essayer de vraiment rentrer dans la précision. C'est ma passion.